Orcus Focus présente. Le fait de proposer un atelier jardinage, ça pouvait entrer donc dans cette prise en charge du patient et lui apporter une autre forme de soin ou de bien-être, ne serait-ce que par le fait soit de réaliser quelque chose, soit de participer à l'entretien du jardin, soit de participer à la vie du potager, parce que notre idée c'était vraiment qu'on commence les semis au mois de mars dans la serre. Après, d'autres patients qui seront hospitalisés plus tard vont diviser les semis, plus tard d'autres vont planter les choses dans le potager, d'autres plus tard en profiteront et mangeront les tomates cerises qui ont été semées par les précédents. Et moi j'aime bien donner ce lien-là au fil des ateliers, qu'il y a une sorte de passage de relais, que ce que les gens font, d'autres en profiteront. Et du coup, ça a un côté à la fois valorisant pour les gens. Ça les replace aussi dans la saisonnalité, parce que pour le coup, voilà, rien n'est immédiat dans un jardin. Et on peut faire des parallèles avec, avec des maladies chroniques, voilà, où il y a ce temps qui est là. Il y a aussi le fait de se reconnecter à la terre, au monde du vivant, à accepter que si le temps n'est pas propice à l'activité qu'on avait décidée, finalement ce sera une autre activité. Donc on va se retrouver dans la serre finalement à faire autre chose. L'idée aussi que prendre soin d'une plante, ça peut aussi être une manière de prendre soin de soi. Que ce soit valorisant pour les gens, l'idée c'est vraiment pas de les mettre en échec, quelle que soit la réalisation.